Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Archangélion. On continue, on avait encore trois decks, si je me trompe pas. Donc on est bien au niveau 14, au niveau de la maîtrise. On a toujours nos 140 gemmes, 600 couronnes. On a un courant, trois inhabituels, un rare. Et notre coffre s'est ouvert à 17,2%. On a toujours nos 5 jetons, on va pas là, on va pas là, on va directement dans les boosters parce que de toute façon on peut pas en acheter d'autres. Je n'ai que 600. Comme vous voyez, on est à 2 boosters d'avoir un nouveau inhabituel et on est à 5 boosters d'avoir un mythique. Donc enjoy, parce que le mythique, je sais ce que je vais en faire. Il y a une carte qui est en train de m'énerver. Ça fait un petit moment que je repère qu'elle m'énerve, et ça fait un petit moment que je la prends pas, ce qui est stupide. Donc je vais la prendre, je vais la mettre dans tous mes boosters, et puis comme ça, ben, je vais jouer comme les sagouins qui jouent cette carte, c'est-à-dire sans classe, mais avec efficacité. D'ailleurs, je pense que je vais finir par me faire un deck spécial carte que je déteste. Donc, je vais mettre que du Razboard. Je vais mettre la carte que je vais prendre là. Et puis, je vais devenir infernal, quoi. Je vais faire n'importe quoi et je vais jouer comme un sagouin. Et puis, je risque de gagner en plus parce que les cartes sont super pétées, quoi. Je trouve ça nul, mais bon. L'équilibre des fois au niveau de leur saison, c'est vraiment nul. Allez, tout ça pour vous inciter à payer des grosses cartes, quoi. Donc, on est parti, premier booster. Je suis désolé pour le coup de gueule, mais franchement, il y a des trucs qui m'énervent. Et allez, c'est parti. Donc, Samsagas, l'intrépide. Vous pouvez faire un deck spécial Samsagas, hein, parce que il y a quand même pas mal de cartes. Carte blanche qui arrive au deuxième round, créature légendaire, alphelin et paysan. Elle est équipée du flash. Quand Samsagas, l'intrépide, arrive sur le champ de bataille, choisissez jusqu'à une carte de permanence ciblée dans votre cimetière qui y a été mise ce tour-ci. Depuis le champ de bataille. Donc vous ramenez une carte du cimetière, ce qui est pas si mal. Surtout pour une 2 mana. Renvoyez la dans votre main. Puis l'anneau vous tente en plus. Et elle fait 2 de dégâts pour 1 de défense. C'est dommage le 1 de défense. Elle aurait fait 1 pour 2, ça aurait été plus intéressant. Enfin, un de force pour 2 de dégâts, pour 2 de défense, elle aurait été plus intéressante. Vous avez fait du mal à mon maître, brute, et vous allez le payer. Ouais, c'est vraiment ça me s'agace. Mais en tout cas, ouais, elle est à jouer avec une carte bleue qui. Pour les vétérans qui commencent à s'intéresser au bi. Bimana, là, enfin, au mana à 2 magie, vous la couplez avec une carte bleue qui s'amuse à faire des jetons à l'arrivée de créatures légendaires. Vous pouvez la dupliquer. Normalement, vous pouvez pas, hein, vous devez jouer qu'un seul légendaire, mais comme elle, c'est pas un légendaire de base, c'est comment, un jeton qui prend toute l'apparence du légendaire, sauf qu'il n'a pas la notion de légendaire. Ça peut être hyper intéressant. C'est une carte bleue. Et c'est 2 créatures avec des masques qui se retrouvent l'une en face de l'autre. Je me rappelle plus du nom, hein. Mais ça devrait vous parler si vous la voyez. Si vous l'avez, normalement, ça devrait vous parler. Avec plein de masques tout autour. Et elles sont face à face. Un peu comme des jumelles qui ont un masque et c'est elles qui font des doubles. Donc voilà. Ensuite, on est sur, bah ouais, ça se vérifie, hein, on est sur du Sélénia.
Donc magie blanche et bleue et verte, punaise, je fatigue. Frodo Sake, la star. Pour 2 manas, un vert et un blanc. Créature légendaire alphelin et éclaireur. À chaque fois que Frodon Sake ou une autre créature légendaire arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, l'anneau vous tente. Tant que Frodo est votre porteur de l'anneau, il doit être bloqué si possible. Donc il doit être bloqué, mais il est que à 1-3. Donc 1 en force et 3 en défense. Donc faut que vous montiez en force très rapidement. De la montée de puissance, j'en ai vu avec le deck Nazgûl, mais je l'ai vu que sur les Nazgûl, je l'ai pas vu sur une autre carte. Donc va falloir trouver le moyen de générer de la vie pour générer des plus un que vous pouvez mettre sur n'importe quelle carte, pas seulement sur la carte qui génère du plus un. Bah de toute façon, comme vous avez accès aux cartes blanches, vous avez la carte de classe magie, je crois, je sais plus. C'est quoi déjà la carte de classe claire qui vous permettra de mettre du plus un sur une carte. Et vous avez accès à la prêtresse rouge là que ce soit vous qui posiez ou que ce soit l'adversaire qui pose, automatiquement vous générez de la vie. Donc comme vous générez de la vie, la classe prêtre génère des plus 1 plus 1. Plus 1 plus 1 que vous mettez sur Frodo Sake que vous envoyez au casse-pipe. Et comme ils sont obligés de le bloquer, vous commencez par massacrer les petites cartes de votre adversaire et au fur et à mesure il va être obligé de mettre ses grosses cartes. Sauf qu'entre-temps, le temps qu'il arrive à ses grosses cartes, vous serez encore plus monté au niveau comment ça s'appelle au niveau de la puissance. D'autant plus si vous couplez avec la prêtresse rouge la carte qui la fait revenir et qui crée aussi de la vie. Moralité, même si on vous pète la prêtresse rouge pour éviter que vous créez de la vie, vous la faites revenir et en plus quand elle revient, et ben normalement je crois qu'elle crée de la vie. Je suis pas sûr, mais je pense. De toute façon, si vous en avez plusieurs, automatiquement quand elle reviendra, elle créera de la vie grâce aux autres. Donc ouais, là il y a un con, y a un Selenia. Standard à mettre en place si elle est encore en standard, la prêtresse rouge, si elle y est plus, ben en historique, il y a un, comment on appelle ça? Un Selenia à travailler. Si vous êtes en plus pas en histori si vous êtes en historique, il y a l'arbre qui crée des écureuils, qui peut être intéressant, qui vient se rajouter aux cartes que je viens de vous citer. Ouais. À voir. Ok, carte bleue qu'on connaît, c'est la trahison d'Isengard. Carte noire qu'on connaît, Salfin, c'est au moins le troisième. Vaillant, Dosgiliath, ben on les connaît aussi. Épouvantail de la Comté, c'est une incolore qu'on connaît. Et Olifant, carte rouge qu'on connaît aussi. Ça y est, ça commence, on va commencer à avoir de moins en moins de cartes qu'on connaît. Donc, première grosse carte de la session. Dar, la dague étincelante, artefact légendaire qu'on connaît. D'ailleurs, je me demande si la carte bleue là que je vous disais. Non, c'est que les créatures légendaires, hein, c'est pas les artefacts. Je crois qu'à chaque fois je me fais avoir. Mais à voir. Mais par contre, comme c'est un artefact légendaire, vous pouvez le dupliquer grâce au prêtre bleu. C'est une carte 4-5. C'est un prêtre qui, dès qu'un artefact arrive sur le board, vous payez 2 mana, dont un bleu, et vous pouvez dupliquer l'artefact. Et donc ça, comme c'est un artefact, vous pouvez le dupliquer.
Donc au mieux d'avoir une seule dague d'art, vous en avez deux que vous pouvez équiper sur deux cartes différentes ou sur une carte différente. Enfin voilà. Hop. On passe au deuxième. Nouveau Joker. Et hop, c'est parti, nouveau Joker. On est à un courant, 4 inhabituels, un rare. On commence avec Remontrance Sévère, on l'a déjà, hein, c'est une carte bleue qu'on connaît. On continue avec une nouvelle carte bleue, par contre, Tromperie selon Saruman. On est sur une carte bleue qui arrive au troisième round, c'est un sort d'éphémère contre carré un sort ciblé. Ramasser amasser des orques, niveau 1. Ok. Très bien. Je vous ai donné une chance de me rejoindre de votre plein gré, Saruman. C'est quand il combat Gandalf? Ouais, c'est quand il combat Gandalf. Parce que ça m'a pas l'air d'être Saruman là en face. Ça m'a l'air d'être plutôt Gandalf. Le gris. Ok. Ouais, c'est son bâton. Regardez le bâton, c'est exactement celui-là qu'il a. Donc c'est bien Gandalf qui affronte ça, moi. Saruman, et on est au niveau de la vision de Saruman. Bon, carte noire qu'on connaît, c'est le Berserker Uruk-hai. On l'a vu la session d'avant. Nouvelle carte blanche. Place à la colère, place à la ruine. Celle-là, je crois que je l'ai prise sur la figure. Rituel, mettez un marqueur plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez. Elles acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Oh. L'anneau voûtante. Ouais, je l'ai pris sur la figure parce que c'est comme ça que le mec avait monté ses Nazgûl. Donc il était sur un. Non, même pas. C'est même pas sur ce deck Nazgûl, c'est sur un autre deck. Il avait monté d'un coup toutes ses créatures et il m'avait. Oh. Il m'avait bloqué toutes mes créatures en fait, et il était passé tranquille avec toutes ces créatures qui avaient le lien de vie. Donc d'un coup, il m'avait attiré pas mal de vie, et lui par contre en avait gagné pas mal. Donc, ouais, sur un deck blanc, ça peut être efficace. Ça rejoint un peu la carte des deux femmes qui bloquent tout le monde qu'on a dès le début du deck blanc. Dans le deck blanc, normalement la carte doit être dans le deck blanc construit. Pas construit, deck blanc pré-construit. Voilà, c'est ça. Et donc la petite phrase, c'est les capitaines de l'Ouest arrivèrent enfin pour défier la Porte Noire et la puissance du Mordor. Ok. Donc ça, c'est du blocage. Vous la jouez blocage plus lien de vie. Et derrière, vous arrangez pour avoir quelques créatures évolutives qui vont générer, enfin qui vont récupérer du plus 1, quoi. Grâce aux points de vie. Enfin voilà quoi. Donc ce qui est une carte 1-1, les frères de la bande. Le clerc volant tout bleu là qui peut devenir volant au bout d'un moment et qui peut devenir aussi indestructible. La licorne, enfin non, le cheval ou la licorne, je me rappelle plus, mais c'est une grosse carte de 3 qui en gagnant de la vie peut générer du 1-1 et monter en puissance aussi. Ça peut être intéressant avec cette carte. Évidemment, vous la couplez avec la prêtresse rouge et puis la carte qui la ramène. Et qui crée aussi de. S'il n'y a pas besoin de la ramener, qui crée Ah. De la vie. Ok. Bon, on part sur la carte bleue. Nouvelle carte bleue, donc, nœud de Heatline. C'est un sort d'éphémère qui arrive au deuxième round. Engager une créature ciblée. Regard 1, piocher une carte. Ok. Bon, ça c'est pour les decks de pioche bleue. Ça peut être intéressant. Ou les decks de pioche multicolores. D'ailleurs, la phrase. Si vous tentez de vous enfuir,
Nous devons vous attacher. Nous... Mais nous ne voulons pas vous faire de mal, Sam. Nouvelle carte rouge, c'est un nouvel équipement. Tiens, ça change. Hache de Gimli. Donc, carte rouge qui arrive au troisième round, c'est un artefact équipement. La créature équipée gagne plus 3, plus 0. Tant que la créature équipée est légendaire, elle a la menace. Elle a la menace. Donc, en gros, ça c'est pour les decks Boros ou rouges. Sachant que Gimli, on l'a vu passer et que je crois que c'est une carte rouge aussi. Donc, vous pouvez l'utiliser directement en équipant Gimli. Mais si vous jouez équipement, jouez-le plutôt. C'est plus pour les vétérans, pas pour les joueurs de base. Les joueurs débutants, excusez-moi. Mais pour les vétérans qui joueraient en Boros. Vous la couplez à Gimli et ça peut faire mal. Plus des boosts. Ok. Donc Gimli va devenir une nouvelle carte de Boros à tous les coups. C'est pour ça d'ailleurs que je le vois assez souvent. On continue avec le feu d'Orthanc. Le feu d'Orthanc arrive, donc c'est une nouvelle carte rouge qui arrive au quatrième round. C'est un sort de rituel, détruisez une cible, artefact tout terrain. Les créatures sans le vol ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ouf, donc ça vous demande d'avoir un deck rouge avec des dragons. Ouais. Vous la jouez avec deck rouge dragon. Et là, ça veut dire que vos ennemis, même s'ils ont de la portée, eh ben, ils sont dans les choux. En plus, vous pouvez la jouer trois fois. Ça veut dire que sur trois rounds, vous mettez dans le fossé toutes les cartes adverses créatures. Ouais. Et en plus, comme vous détruisez une cible, ce que vous faites, c'est que vous gardez ces cartes-là pour détruire les volants de votre adversaire. S'il en a trois, ben déjà là, il y en a trois de moins. Ce qui permet à vos volants à vous de prendre l'initiative sur le board au niveau aérien. Et ce qui bloque les cartes qui sont au sol, qui auraient de la portée. Puisque c'est les créatures sans le vol, donc c'est les créatures sans le vol avec la portée aussi. Hein. Donc ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ouais. Donc ça vous permet de passer en force avec vos créatures volantes, tout ce qui est les aigles, enfin voilà, enfin, les anges. Enfin là, c'est plutôt les dragons d'ailleurs. Ça serait les aigles si vous jouez en Boros. Et ce serait. Ouais, puis les anges aussi, ouais, les anges en Boros et les aigles, je crois que c'est en blanc aussi. Hein. Donc ouais. Mais sinon, en rouge, c'est dragon. Clairement, vous jouez du gros dragon. Le mec en face peut même pas s'interposer. Vous êtes sûr que votre dragon passe. En plus, si vous jouez le dragon que je pense, au moment où il attaque, je crois qu'il fait 5 de dégâts. Donc vous en profitez pour décalquer les cartes créatures de sol, mais pas celles qui n'ont pas de portée. Donc vous en priorité vous massacrez celles qui ont de la portée pour qu'ils puissent pas vous interpeller sur les rounds d'après. Vous rejouez dans la foulée le feu d'Orthanc le round d'après. Vous rebelote, vous repassez avec votre dragon qui refait 5 de dégâts et vous finissez d'achever soit les volantes, soit celles qui ont de la portée. Bon ben. Vous vous êtes dégagé le passage pour tous les rounds suivants, quoi. À moins qu'ils vous le détruisent, mais bon, ça après. Tout est possible dans Magic. Ou alors qu'ils vous fassent du Razzboard. Deuxième carte maîtresse au niveau de cette session. Ouf, l'anneau unique. Bon bah écoutez, artefact légendaire, je viens de le prendre sur la figure en plus. L'anneau unique, artefact légendaire qui est donc une carte incolore qui arrive au quatrième round
Il est muni de l'indestructible. Rien que ça. En plus, c'est un artefact légendaire. Vous pouvez peut-être le copier avec la carte bleue que je vous disais. Voire avec. Comment il s'appelle? Le. Oh, la carte bleue. C'est un mage qui réplique. Je vous l'ai montré normalement sur le deck de base mono bleu, le tuto. Elle y est, allez voir, parce que lui peut peut-être le dupliquer en plus et en faire une copie non légendaire avec la carte bleue qui. Donc vous pouvez la jouer en deck bleu. Ce sera plus vraiment du mono bleu, mais bon, un color c'est pas vraiment une couleur pour moi. Donc sur un deck bleu où vous galérez, ça peut être un avantage. En plus, la carte qui réplique les artefacts légendaires, enfin qui réplique les légendaires. Ah oui, non, mais c'est les personnages légendaires qu'elle réplique. Donc la carte bleue, vous pouvez l'oublier. Par contre, l'autre carte bleue, là, le prêtre, lui, l'oubliez pas parce qu'il peut vous la dédoubler. Alors à voir après si elle garde son aspect légendaire, mais normalement non. Indestructible, donc vous en auriez deux. Quand l'anneau unique arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé, vous acquérez la protection contre tout jusqu'à votre prochain tour. Au début de votre entretien, vous perdez un point de vie pour chaque marqueur fardeau sur l'anneau unique. Ouf, j'aime pas. Donc il va falloir générer de la vie. Faut générer plus de vie. Oh là là. En bleu, générer de la vie. En bleu, générer de la vie. En bicolore, blanc-bleu, c'est jouable. En bleu, générer de la vie, comment vous pouvez faire? Bah je vous laisse chercher, hein, parce que sincèrement. Là, je commence à m'embrouiller avec tous les trucs qui fusent dans tous les sens. Par contre, si vous l'engagez, mettez un marqueur fardeau sur l'anneau unique, puis piochez une carte pour chaque marqueur fardeau. D'accord, donc en fait, ça vous fait perdre un point de vie pour chaque marqueur. Donc plus vous en avez, plus vous perdez de points de vie. Donc déjà là, c'est mauvais. Donc il vous faut vraiment la jouer en blanc. Parce qu'en blanc, vous allez en générer de la vie. En Selenia, vous pouvez aussi générer pas mal de vie puisque il y a du blanc. De toute façon, tous les bicolores blancs, tout ce qui utilise du blanc en deck, vous pouvez utiliser l'anneau unique. Mais après, est-ce que ça vaut le coup? Parce que vous sabordez pas mal de vie. Si à un moment vous contrôlez plus et que vous générez plus assez de vie, vous auto-flinguez, quoi. Ou du moins la carte elle est plus utile puisque vous pouvez plus l'engager. Donc ouais mais elle continue quand même à vous faire perdre de la vie puisque c'est en début d'entretien. Donc c'est à chaque round. Ouais. C'est pour de la pioche. À la rigueur, si vous êtes sur un deck bleu, pioche, vous avez Teferit. Qui crée des jetons qui à chaque fois que vous piochez montent en puissance. Donc deck blanc-bleu avec Teferit, avec la prêtresse rouge, puisque vous allez créer du jeton, la prêtresse elle va vous générer de la vie, vous la couplez avec la carte qui la ramène, et qui crée, qui soit la ramène, soit crée de la vie. À partir de là, vous faites full vie et les jetons, vous les faites par Teferit. Et l'anneau vous permet de piocher à chaque round un peu plus pour monter les jetons bleus Teferit très très rapidement et prendre votre adversaire de vitesse. C'est méchant, hein, c'est tordu, mais ça peut être efficace. Après, il faut savoir comment monter très rapidement au niveau de vos manas. Pour pouvoir jouer blanc-bleu mana pour ramener très très rapidement votre prêtresse dans un premier temps
votre carte qui la ramène régulièrement dans un deuxième temps. Vous jouez l'anneau dans la foulée et normalement, je crois que le round d'après, vous pouvez jouer Teferit et commencer à créer du jeton. Et en plus, comme vous créez du jeton, votre prêtresse rouge, elle se met à générer de la, du point de vie. Si elle n'est pas détruite, vous n'avez pas la ramener sur ce round-là. Donc, en gros, derrière, vous avez votre autre jeton qui la ramène, qui n'est pas utile. Donc, vous pouvez générer un point de plus de vie. Ça vous fait déjà deux points de vie. Et dans la foulée, vous avez déjà l'anneau qui est sur le board, vous pouvez l'engager et créer un fardeau pour piocher deux cartes, une ou deux cartes supplémentaires. Moralité, le jeton qui vient d'arriver va me commencer à monter déjà dès son arrivée en puissance. Voilà. À ça, vous rajoutez Croisade Cathare. Dès qu'il y a un nouveau jeton qui arrive, déjà c'est une montée en puissance pour tout le monde. Voilà. Ben, il n'y a plus qu'à pleurer en face. Voilà. Bon, allez, j'arrête de vous saouler. Je passe à l'autre. C'est parti. Donc, on se rapproche plus que deux boosters. Hein. La prochaine émission, je devrais avoir un booster mythique qui tombe. Parce que je vous fais une émission quand j'ai trois boosters. Donc, prochaine émission, les trois boosters, je les ai. Et trois boosters, ça m'amène ici. Il restera que deux boosters pour avoir encore un inhabituel. Mais bon, de toute façon, je sais pas quoi en faire. Donc, c'est pas ceux-là qu'il me faut. Moi, c'est les rares et les mythiques, hein, comme tout le monde, je suppose. Donc voilà, on commence avec une carte blanche qu'on connaît, c'est Eowyn, Dame du Rohan. On continue avec une nouvelle carte noire, c'est Gollum, Conspirateur Patient. Je l'avais pas déjà celle-là? Donc carte noire qui arrive au deuxième rang, créature légendaire évidemment, Halfling et Horreur. Donc elle se joue dans le deck noir, mais elle peut se jouer aussi dans le deck d'Ymir, avec la carte qui copie les créatures légendaires et en fait des créatures simples, mais avec les mêmes capacités. Les deux dames là dont je vous parlais qui se font face en bleu avec des masques partout. D'ailleurs, elles tiennent des masques toutes les deux. Elles sont face à face en bleu. Facile à retrouver. Vous allez dans mon tuto mono, dans mes deux tutos mono bleu de base. Je vous en parle. Donc comme ça, vous irez voir mes tutos si vous n'allez pas les voir et vous créez deux Gollum au mieux d'un quand vous le posez. Quand Gollum Conspirateur Patient quitte le champ de bataille, l'anneau vous tente. Quand il quitte, donc bah, c'est d'autant plus intéressant d'avoir un jeton qui reste. Pour 1, sacrifier une créature, renvoyez Gollum depuis votre cimetière dans votre main, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Et ben hyper intéressant parce que si c'est ça, si c'est ça, vous faites revenir Gollum. Vous pouvez sacrifier à la rigueur le comment ça s'appelle? Je sais pas si ça marche. Attendez, sacrifier quoi? Sacrifier. De renvoyer Gollum, sacrifier une créature. Non, c'est pas un jeton, donc non, ça marchera pas avec le jeton. Vous pourrez pas sacrifier le deuxième jeton que vous avez créé pour le faire revenir. Faut impérativement que ce soit une créature. Donc à ce moment-là, va falloir de la créature sacrifiable. De ce fait-là, ça peut être intéressant d'avoir quand même la carte bleue qui crée, vous crée un deck spécial créature légendaire. Moralité, à chaque fois, ce que vous faites, c'est que vous dupliquez vos créatures légendaires, vous en faites des jetons, et Gollum crée la carte de base créature légendaire, laisse la créature jeton, mais vous, même si vous perdez une créature légendaire, vous gardez son double en jeton, ce qui fait que quelque part, vous gardez le bénéfice des créatures légendaires que vous mettez sur le board, puisque vous les dupliquez. Et que si Gollum tue les cartes de base, de toute façon,
comment ça s'appelle? De toute façon, votre carte bleue a créé une copie qui fait que vous perdez pas vraiment votre créature légendaire. Même si elle est plus légendaire, c'est une créature normale, mais avec toutes les capacités de la carte de base. Donc là, il y a un truc aussi à jouer en deck créature légendaire. Trahison, d'Isengard, carte bleue qu'on connaît. Un nouveau Joker qui nous en fait deux. Vent du sol, on en a déjà parlé. On connaît, hein, c'est une carte bleue qu'on connaît. Ici, Aigle du Nord. Aigle du Nord qui est quand même assez costaud. Donc, ouais. Et qui peut attaquer dès son arrivée avec un boost. Donc, qui passe en 4-3. Peut être bien avec la carte qui bloque tout le monde et qui fait que les créatures au sol peuvent pas vous bloquer. On l'a vu normalement, soit dans cet épisode, soit dans l'épisode précédent. Fermier du ouais non, c'est une carte qu'on connaît déjà. Fermier du quartier de l'Est, carte aussi blanche qu'on connaît, hein. On va commencer à avoir de moins en moins de cartes nouvelles, hein. On va commencer à se bouffer beaucoup de doublons. Là déjà, ça n'en fait qu'une. Il y avait une... Ah, il y avait une petite phrase. Ils le prendront. Ils le voleront, mon trésor. Voleurs. Nous les désestons. Ah! Nouvelle carte. Ah oh, zut, je l'ai loupé. Je l'ai loupé, je l'ai loupé. Je vais aller dans mes decks. Je vais essayer de voir si je peux la récupérer. Je crois que c'était une carte blanche. Donc, elle doit être dans mes tutos. Ok. Donc, on l'a vu, on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu. Pareil. On l'a vu. Celui-là, on l'a vu, on l'a vu. On l'a vu. Tom mon habile, on l'a vu aussi. Ok. C'est celle-là. Côte de Mithril. Donc, Côte de Mithril, c'est une carte incolore qui arrive au troisième round. C'est un artefact légendaire. Donc, artefact légendaire en lien avec l'équipement. Équipé du flash, vous pouvez le jouer n'importe quand. Indestructible. Waouh. Ok. Donc le flash indestructible, on peut la jouer n'importe quand. Vous engagez une carte, votre adversaire vous la bloque pour vous tuer, parce qu'il a une force supérieure à sa défense. Sauf que sa défense déjà, vous, normalement vous étiez censé le tuer, lui il a mis un booster. Vous claquez la côte de Mithril sur votre... sur votre comment ça s'appelle? Votre jeton qui est bloqué par sa grosse créature. Ça peut passer. Quand la côte de Mithril arrive sur le champ de bataille, attachez-la à une créature légendaire. Ah, ça se joue avec du légendaire, donc le deck créature légendaire, Gollum et carte bleue qui duplicate les légendaires. Les créatures légendaires ciblées que vous contrôlez, la créature équipée à l'indestructible. Équipement 3. Et ben dis donc, vous mettez ça sur une carte évolutive légendaire, si ça existe. À la rigueur, je vous dirais là les Boros. Les Boros, ils vont devenir fous. S'ils ont des cartes légendaires, bah il y a la carte rouge Gimli, non? Gimli, c'est pas une légendaire. Donc sur Gimli, vous claquez ça, déjà il devient indestructible. Ouais. En plus, en Boros, pas mal d'équipements qui permettent à Gimli de monter. Plutôt que ça, je vous lui mettais les gros marteaux 13-13 là. Il devient indestructible avec des gros marteaux 13-13. Vous vous arrangez pour lui mettre un équipement qui fait à la fois contact mortel et lien de vie.
Ben écoutez, moi je vous dirais qu'en face, vous interceptez, si on vous attaque, vous interceptez avec Gimli, s'il a le contact mortel, n'importe quoi meurt, même des grosses cartes supérieures à lui. Et s'il a le lien de vie, les autres peuvent vous déborder avec plusieurs créatures. Vous créerez au minimum déjà au moins 13 points de vie, quoi, s'il est le gourdin. Enfin, s'il a la masse 13-13. Oups. Ça va commencer à devenir difficile parce que 1. Il peut bloquer et créer, générer de la vie. 2. Il peut attaquer. Et si en plus vous lui mettez un équipement qui le rend qui lui donne la vigilance, il va jouer aussi bien en défense qu'en attaque, quoi. Là, il y a des combos à trouver là. Ouais. Et derrière, vous vous assurez pour qu'il revienne sur le terrain. Bon, en réalité, comme il est équipé, il reviendra si vous utilisez. Vous l'équipez du dieu en blanc, carte blanche, dieu qui ramène la carte de base. C'est le dieu qui se transforme en épée. Et justement, vous l'utilisez pas en tant que dieu, vous l'utilisez en tant qu'épée. Et l'épée, vous la mettez sur Gimli. Moralité, même si on vous détruit Gimli, Gimli va aller dans le cimetière et il va revenir tout de suite. Et l'épée, vous la perdez pas puisque la carte, vous allez l'avoir dans vos sorts sur le côté de votre board ici en bas. Donc vous la rééquipez tout de suite sur Gimli et vous lui remettez la cotte de maille. Et vous lui remettez son marteau 13-13. À partir de là, vous avez une boucle parce que le mec il va s'amuser à vous la péter à tire-larigot et à chaque fois vous allez la faire revenir et vous allez la première initiative que vous faites, c'est pas de jouer la cote de maille indestructible, c'est quoi qu'il est indestructible donc pour vous la péter quoi qu'il peut vous la voler et tout le reste. Donc prévoyez quand même des sorts pour mais l'épée du dieu là elle est bien, elle permet de faire revenir Gimli quoi qu'il arrive. Enfin voilà, s'il a l'indestructible après voilà quoi. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Mais ouais, non, ça peut être une option. Bon, on en a terminé. Alors ça c'est mon deck tuto, hein. C'est pour ça que je vous montre pas mon deck blanc aujourd'hui. Le deck tuto c'est un deck de débutant, puisque je fais des tutos pour apprendre aux personnes qui débutent sur le jeu à essayer de se débrouiller avec leur deck de base. Donc voilà, là c'est des cartes de base, vous avez rien de ouf, de oufissime. Donc vous pouvez le regarder. Vous pouvez même essayer de le refaire. De toute façon, ce deck ne vaut rien sur des hauts levels. C'est un deck pour essayer de survivre en tout début. Alors, on est reparti. On va sur le profil. On est bien à 14. D'ailleurs, j'ai fait n'importe quoi. Il fallait pas cliquer dessus. Faut que j'arrête d'avoir cette manie de cliquer sur tout. Donc on est bien au level 14 là et ici on est arrivé 39, on a gagné 3%. 39, on a gagné 3%, on a gagné une mythique en plus par rapport à la dernière fois. Évidemment, on a gagné pas mal de rares, encore plus de d'inhabituel, et alors les communes, hein, évidemment, on est déjà à 63 sur 103, comme quoi vous voyez qu'ils vous bourrent les communes pour pas vous donner les autres. Ça fait partie, hein, de leur façon d'organiser leurs boosters. Je pensais que c'était les algorithmes, non, hein, c'est les boosters. C'est la configuration des boosters qui est fait pour. Mais bon, ça vous fait déjà 94 cartes rien que sur les petits levels, alors que vous n'avez que 20 cartes sur les hauts levels. Vous imaginez? Voilà. Bon, il est temps de se quitter. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vos proches. Salut, bye bye.